S'il vous plaît, vous m'envoyez un message. Voilà. On va commencer la physiologie digestive. Alors, s'il y a le son et l'image, vous m'envoyez un message. Est-ce que c'est OK? Est-ce que je peux commencer? Très bien. Alors, je commence. La physiologie digestive. Alors, la digestion. La digestion représente un ensemble des phénomènes qui permettent la dégradation des aliments. Donc, l'objectif de la digestion, c'est quoi? C'est l'absorption optimale pour l'absorption optimale et couvrir les besoins vitaux de la cellule. C'est-à-dire, si on parle de digestion, si vous voulez. Alors, la digestion, le rôle du tube digestif, en fin de compte, le rôle, c'est dégrader. Et la dégradation, elle doit être maximale pour assurer une absorption optimale et maximale au niveau de l'intestin grêle, là où il y a bien sûr le site de l'absorption. Et pourquoi cette absorption? Tout simplement pour fournir les besoins vitaux de la cellule. C'est ça le rôle principal de la digestion. Donc, c'est une fonction qui est très, très importante et qui donne, bien sûr, qui donne des nutriments prêts à être utilisés par la cellule. Bien sûr, les nutriments, ils peuvent être énergétiques comme ils peuvent être non énergétiques. Bien sûr, les nutriments énergétiques sont les nutriments qui fournissent donc un carburant pour la cellule. Un carburant par la cellule, et bien sûr, ils peuvent avoir donc un rôle de synthèse au niveau de la cellule. Et bien sûr, il y a d'autres nutriments, comme les électrolytes, les vitamines, qui sont des nutriments non énergétiques, bien sûr, qui sont très importants au niveau, bien sûr, cellulaire. Voilà. Donc, l'objectif, donc la digestion, elle est assurée par deux fonctions principales. Le tube digestif, il va assurer cette fonction de digestion par deux volets principaux, qui sont la fonction mécanique et la fonction sécrétoire ou sécrétrice. Donc, la fonction mécanique et la fonction, si vous voulez, la fonction chimique, si vous voulez, c'est la fonction chimique. Donc, on va faire un petit rappel anatomo-histologique du tube digestif. La paroi digestive dort en dedans. Donc, il y a une membrane séreuse. Il y a de la musculature. Il y a un plexus, donc, sans muqueux. Il y a de la muqueuse. Donc, vous voyez là, donc, il y a une séreuse, puis il y a une musculature, et puis il y a une muqueuse, d'accord? Bien sûr, il y a une innervation intrinsèque, bien sûr, une innervation intrinsèque interne, qui est entre dans la couche musculaire. Dans la musculature, il y a bien sûr un autre plexus, bien une innervation intrinsèque qui est juste sous la muqueuse. D'accord? Donc, le plexus myentérique, bien sûr, c'est le plexus nerveux intrinsèque qui est entre les deux couches musculaires internes et externes et qui est appelé plexus myentérique. Allez, myentérique parce qu'il innerve la musculature qui va contrôler donc plus particulièrement le tonus. Le tonus, ça veut dire la mobilité musculaire. Le deuxième plexus, bien sûr, nerveux, qu'on appelle de Meissner ou bien on l'appelle sous-muqueux. Sous-muqueux parce que tout simplement il est sous la muqueuse, il contrôle plus particulièrement les sécrétions parce que c'est la muqueuse qui va, ou bien l'épithélium qui va donc assurer la sécrétion digestive. Alors, le système nerveux extrinsèque. Donc, il y en a deux systèmes d'innervation du tube digestif. Donc, il y a l'innervation intrinsèque qu'on vient de la voir, le plexus de Meissner et le plexus d'Auerbach ou bien le plexus myentérique.
Le deuxième système, c'est le système N extrinsèque. Le système extrinsèque, qui est bien sûr le système, si vous voulez, autonome végétatif, qui innerve pratiquement tous les organes internes de l'organisme, qui est bien sûr le système nerveux végétatif ou le système nerveux autonome, qui est indépendant de la volonté et de la conscience, avec ces deux branches, bien sûr, sympathique et parasympathique. D'accord? Bien sûr, le système nerveux végétatif, il va innerver tout le tube digestif, à l'exception de deux parties, qui sont les deux extrêmes, si vous voulez, du tube digestif. Donc, la partie au niveau de la bouche, où il y a la mastication par les muscles squelettiques, qui ne dépendent pas de la volonté. Donc, mâcher, c'est volontaire. Et la défécation, bien sûr. Défécation, c'est l'élimination de sel. La défécation, bien sûr, où il y a le sphincter externe de l'anus, le sphincter externe anal, qui est de la musculature, bien sûr, périnéale, squelettique, et qui ne dépend pas du système nerveux végétatif. D'accord? Parce qu'elle dépend tout simplement de la volonté. Alors. S'il y a un problème, vous m'envoyez des messages, hein, s'il vous plaît. Voilà. Classiquement, le système, bien sûr, on a dit le système nerveux autonome avec ses deux branches sympathiques et parasympathiques. Donc, le parasympathique, c'est une branche excitatrice du tonus et des sécrétions. C'est-à-dire que le tube digestif, il est stimulé par la mobilité et par la sécrétion par le biais du parasympathique. Maintenant, le sympathique, au contraire, c'est un inhibiteur des deux. Voilà. On va commencer donc la digestion par la phase buccale. La phase buccale, chouchou, chaque étape de la digestion, elle a les deux volets mécaniques et sécrétoires. Maintenant, pour la bouche, au niveau de la phase buccale, il y a la mastication qui est un acte volontaire, comme on l'a déjà dit, et la fonction sécrétrice, bien sûr, qui est la salivation, qui est un acte involontaire. On va commencer par la mastication, qui est la première étape mécanique de la digestion. Elle est assurée par les dents molaires et prémolaires, une mâchoire inférieure mobilisée par les muscles massétaires et temporaux, et la langue qui va placer les aliments sur les tables dentaires. Le rôle de la mastication, bien sûr, c'est, si vous voulez, préparer le bol alimentaire à une bonne déglutition. Voilà, et pour, si vous voulez, augmenter la surface attaquable par la salive. Donc, réduire les aliments en petites particules parce que c'est le début, hein, de la digestion. Augmentant ainsi leur surface attaquable par les phénomènes, bien sûr, chimiques. La mastication transforme et prépare le bol alimentaire pour la déglutition. Nécessite un mouvement d'abaissement et d'élévation de mouvements latéraux de la mâchoire inférieure, bien sûr, car grâce à la caractéristique de l'articulation temporomaxillaire. Il faut qu'il y ait une articulation temporomaxillaire. Alors, madame, ralentissez un peu, s'il vous plaît. La salivation, le début du processus chimique de la digestion. On va commencer par la salivation. Donc, la salivation, c'est le début du phénomène de la digestion, le phénomène chimique, hein, parce que le phénomène mécanique, il a été débuté par la mastication. La salivation, on va commencer d'abord par le rôle de la salive. Le rôle de la salive, c'est faciliter la mastication, la déglutition. Solubiliser, si vous voulez, miho, on va solubiliser les aliments et les mettre en contact avec les papilles gustatives. Et lubrifier les muqueuses buccales et linguales. Lubrifier les muqueuses buccales et linguales, ou bien rincer carrément à la bouche. Hein. Commencer la digestion aussi par l'amylase, parce que l'enzyme la plus importante au niveau de la salive, c'est l'alpha-amylase. L'alpha-amylase, bien sûr, et il y a même la lipase, hein, mais l'hormone la plus importante, c'est l'amylase qui est donc l'hormone de dégradation des sucres. Donc, la dégradation de la digestion des sucres, elle commence déjà au niveau de la bouche. D'accord? Donc, et en plus, la salive, c'est une voie d'élimination de certaines toxines et de certains médicaments. La sécrétion, elle est réalisée par trois paires de glandes salivaires différentes. Donc, les principales glandes salivaires sont en nombre de trois paires. Hein. Au nombre de trois paires. La première paire des parotides, la deuxième paire des glandes somamandibulaires ou bien somaxillaires, donc les mandibules sont les maxillaires inférieures, et les glandes sublinguales, et les deux glandes sublinguales. Bien sûr, il y en a d'autres glandes qui sont des glandes, si vous voulez, accessoires ou mineures, et qui sont très nombreuses, donc c'est des glandes très nombreuses,
et qui percent pratiquement toute la cavité buccale et même la langue. Donc, mais les principales, bien sûr, c'est des glandes, si vous voulez, mineures qui ne peuvent même pas être isolées. Mais les glandes principales qui assurent la totalité, la presque totalité, la quasi-totalité, si vous voulez, de la sécrétion salivaire sont ces trois paires. La composition de la salive, bien sûr, il y a toujours chauffe-eau, n'importe quelle sécrétion digestive, elle est composée de substances minérales, c'est-à-dire de l'eau, des électrolytes, et des substances organiques, c'est-à-dire organiques, là, c'est-à-dire des protéines, des sucres ou des lipides. Donc, les substances minérales et électrolytes, bien sûr, déjà l'eau, qui représente 90 à 99 %, et 1 % de solide, qui sont bien sûr les électrolytes. Pour les électrolytes, chaque partie du tube digestif va sécréter un sucre ou bien une solution, pardon. Et chaque solution est bien sûr propre à cette partie du tube digestif. Hein? Et bien sûr, la différence, c'est en composition surtout électrolyte. Bien sûr, et en composition organique, chaque sucre va être responsable d'une dégradation. Et va contenir une hormone spécifique à sa dégradation. Par exemple, la salive. La salive, elle va contenir des enzymes salivaires comme l'alpha-amylase et la lipase. Elle va contenir des immunoglobulines, c'est-à-dire des anticorps, des traces de facteurs de croissance et des protéines. Donc, les enzymes salivaires, nous avons l'amylase salivaire, l'alpha-amylase qui est la plus importante, hein, qui a le rôle le plus important. Il y a la lipase linguale. La lipase linguale, elle n'a pas vraiment une action importante par rapport à la lipase, par exemple, pancréatique au niveau digestif, mais elle est présente et elle témoigne, ou bien c'est un signe du début de la dégradation des lipides. Donc, si on parle de dégradation des lipides, la dégradation des lipides, la digestion des lipides, elle commence déjà au niveau de la bouche. Hein, parce que s'il y a une lipase, ça veut dire que il y a une certaine dégradation des lipides, il y a les lysosomes et les kallikréines. La formation de la salive. Bien sûr, la formation de la salive, elle passe par deux étapes. La formation de la salive primaire et la formation de la salive secondaire. La salive primaire, elle se forme au niveau de la cellule acineuse. La salive primaire, elle se forme au niveau de la cellule tubulaire ou bien la cellule donc canalaire. Donc, si on parle de formation de la salive au niveau de la glande salivaire, la glande salivaire, histologiquement, elle est constituée d'un acinus en forme de corpuscule et un tubule. Hein? Un acinus, c'est un corpuscule avec un tubule. C'est comme n'importe quelle glande. Il y a dit toujours, il y a un acinus et un tubule ou bien un canal. On parle beaucoup plus de canal glandulaire. Donc, au niveau de l'acinus, qui est un corpuscule, il va contenir des cellules, ce qu'on appelle les cellules acineuses. Voilà. Ou ce corpuscule, ou bien cet acinus, il va contenir une lumière à l'intérieur. Il y a une lumière à l'intérieur de cette boule, si vous voulez, une boule, un corpuscule. Et bien sûr, cette boule, elle fait continuité avec un canal qui est encore creux, où il y a encore une lumière. Donc, au niveau de la lumière, donc de l'acinus, il va y avoir la formation de la salive primaire. Voilà. Cette salive primaire, elle est sécrétée par les cellules acineuses. Voilà. Et la salive secondaire, c'est de la salive primaire qui a été acheminée de l'acinus, de la lumière de l'acinus, vers la lumière du canal glandulaire. C'est au niveau du canal glandulaire qu'il va y avoir une transformation de la salive primaire en salive secondaire par certains échanges. C'est comme les échanges à travers le tubule rénal. D'accord? Donc, on va commencer par la formation de la salive primaire. Donc, la salive primaire se forme dans les acinies, dont la composition est proche de celle du plasma encore. Hein? Elle est proche de celle du plasma. Voilà. Voilà, c'est comme l'urine primitive. Donc, il va y avoir un transport, de chlore au moyen de cotransport actif secondaire avec sodium, potassium et de chlore qui va passer avec le bicarbonate. D'accord? Qui va passer avec des bicarbonates.
dans la lumière au moyen de transporteur. Vous voyez, donc le chlore a le moyen de transport et puis le bicarbonate. Les bicarbonates, tout simplement, à l'intérieur de la cellule acide, va avoir une hydrolyse donc du molécule de CO2. Tu me donnes bien sûr des bicarbonates qui vont passer à travers, bien sûr, un transporteur et bien sûr, les protons vont être rejetés dans, là, c'est les capillaires, hein, c'est toujours le compartiment sanguin. Voilà. L'accumulation de charges négatives bicarbonate et chlore dans la lumière provoque un afflux de sodium. Voilà. Par diffusion transcellulaire. Et bien sûr, le sodium, il fait, bien sûr, il va être accompagné d'un afflux de l'eau. Donc, la salive primaire est donc hypertonique, là, et ceci va entraîner un mouvement passif d'eau, voilà, par osmose. C'est-à-dire que le sodium, il va générer une augmentation de la pression osmotique au niveau de la lumière. Cette hyperosmolarité, elle va attirer l'eau. La même chose par voie transcellulaire, par osmose, bien sûr. Et donc, il va y avoir la formation de la salive primaire. Donc, si vous voulez, la salive primaire, elle est riche en bicarbonate, sodium, chlorionaux. Donc, elle est saline, elle est melha. Donc, elle va être hypertonique par rapport au plasma. Voilà. Maintenant, la salive secondaire. La salive secondaire au niveau de la cellule canalaire, c'est là, au niveau de la lumière, il va y avoir des changements de la salive secondaire. Primaire pour former la salive secondaire. Donc, la salive secondaire, elle est pauvre en sodium et en chlore. Et elle est riche en bicarbonate et en potassium. Donc, il va y avoir quoi? Il va y avoir une réabsorption du sodium et du chlore. Où est le sodium? Là, voilà. Avec un échangeur sodium-proton. Il va y avoir une réabsorption de chlore. Avec un échangeur chlore bicarbonate, donc sortie de bicarbonate et en même temps sortie de potassium. Voilà, par récupération de protons, par une récupération de protons. Très bien. Donc le bilan des concentrations donc salivaires dans le canal. Donc il va y avoir une salive qui est pauvre en chlorure de sodium, donc qui représente 1/10 de la concentration du plasma. Elle va être donc une salive riche en potassium qui représente 7 fois la composition plasmatique en potassium. Et elle est riche en bicarbonate et elle va représenter une concentration 2 à 3 fois supérieure à la concentration plasmatique. Donc, la salive secondaire, c'est une modification de la salive primaire par les canaux excréteurs avec une réabsorption de sodium et de chlore et une sécrétion de potassium de bicarbonate qui se fait vers la lumière. Très bien. Donc, le résultat, c'est une salive qui a été hypertonique hein, au niveau de la sinus, yani c'est une salive primaire hypertonique, mais c'est une salive définitive secondaire qui est hypotonique. L'osmolarité, elle varie de 50 à 200 milliosmoles par 10 kilos d'eau là par litre. Parce qu'en général, le kilo d'eau, parce que là, on parle d'osmolalité. Voilà, très bien. Donc, quand je dis hypertonique, ça veut dire que l'osmolarité est supérieure à l'osmolarité plasmatique. L'osmolarité plasmatique, elle est de l'ordre de 300 milliosmoles par litre, hein, d'accord, là, par kilo d'eau. Donc, la salive, elle est définitive, elle est hypotonique, ça veut dire que son osmolarité, elle est inférieure à 300 milliosmoles par litre. Voilà. On va passer à la déglutition. Après la salivation, il y a la déglutition. La déglutition succède la mastication et la salivation. Voilà. Donc, la déglutition, il y a un temps buccal, temps pharyngien, un temps œsophagien. La déglutition, bien sûr, c'est le passage du bol alimentaire de la bouche vers l'estomac par le biais de l'œsophage. Le temps buccal, bien la première étape buccale, c'est un acte volontaire. Donc, le bol alimentaire, il est poussé d'avant en arrière par la langue vers le pharynx avec pression contre la voûte palatine. Il s'agit d'un fractionnement, hein, d'un fractionnement, il y a une dégradation d'aliments déglutis du reste du bol alimentaire. Donc, la première étape, c'est une phase volontaire. Là, la langue, elle va séparer le bol alimentaire donc, de la quantité ingérée. Bien sûr, là, tout est libre. Là, le bol alimentaire, il est dans la bouche. Le temps pharyngien, c'est un acte réflexe par le contact du bol alimentaire avec la muqueuse pharyngienne. Hein. Donc, là, le bol alimentaire, il n'est pas dans la bouche, mais il est dans l'oropharynx. Il va déclencher ce qu'on appelle le réflexe de déglutition. Le réflexe de déglutition, il renferme plusieurs étapes. La première étape, c'est la fermeture du nasopharynx. Nasopharynx, ça veut dire les voies aériennes hein, par le palais. Donc, il n'y a pas de. Et avec, bien sûr, la fermeture de l'épiglotte, hein, les deux haies de là donnent. L'arrêt inspiratoire, donc un arrêt léger, hein, un arrêt inspiratoire léger.
progression du bol alimentaire vers l'arrière, ouverture du sphincter annulaire supérieur de l'œsophage, SOS, avec fermeture des cordes vocales, yani on ne peut pas parler. Voilà, donc le deuxième temps qui est pharyngien, donc là, la fermeture de l'épiglotte. Voilà, le bolus, il est dans l'oropharynx, non pas dans la bouche. Le temps œsophagien, bien sûr, c'est l'entrée du bol alimentaire qui va entraîner là la fermeture du SOS. Donc là, il n'y a plus de, il y a plus de progression du mal alimentaire à travers l'œsophage. Ça va déclencher le péristaltisme œsophagien. Si vous voulez, le temps œsophagien, c'est la fermeture du sphincter œsophagien supérieur. Voilà. Et bien sûr, la réouverture de l'épiglotte. Et la reprise de la respiration et le bol alimentaire, il est là, dans le tiers supérieur de l'œsophage. Très bien. Alors, on va passer à la phase gastrique de la digestion. Bon, la phase gastrique de la digestion, c'est au niveau de l'estomac. Donc, l'estomac, bien sûr, elle contient, si vous voulez, la muqueuse, elle contient plusieurs types cellulaires. Parce que l'estomac, elle a deux fonctions. La fonction, si vous voulez, bien sûr, si je parle de sécrétion, hein, il y a une sécrétion exocrine qui est donc assurée par les cellules, ce qu'on appelle les cellules pariétales, voilà, les cellules pariétales, là, qui est donc la sécrétion surtout de l'acide chlorhydrique, l'HCl. Il y a la sécrétion endocrine assurée par les cellules endocrines, qui est bien sûr la sécrétion hormonale. D'accord? Alors, et pour les cellules endocrines, on a les cellules G qui sécrètent la gastrine, les cellules H qui sécrètent l'histamine et les cellules D qui sécrètent la somatostatine. Bien sûr, toutes ces hormones vont intervenir dans le phénomène de la digestion. On va pas parler de la sécrétion donc d'hormones, mais on va parler de la sécrétion de l'acide chlorhydrique. Bien sûr, qui rend notre suc gastrique hyperacide qui, bien sûr, et qui va assurer la digestion. Donc, le suc gastrique, c'est comme la salive, il a une composition hydroélectrolytique, mais bien sûr, au niveau, par exemple, de la salive, elle est plus riche en potassium et en bicarbonate. Le suc gastrique, il est plus riche en acide chlorhydrique, avec, bien sûr, du chlorure de sodium et de potassium. La composition organique, c'est surtout les enzymes, hein, c'est surtout les enzymes, et certaines protéines plasmatiques, comme bien sûr l'albumine. Les enzymes sont représentées essentiellement par la lipase gastrique, le facteur intrinsèque qui intervient, ce facteur, cette enzyme qui intervient dans la réabsorption, bien dans l'absorption intestinale de la vitamine B12. Sans le facteur intrinsèque, il n'y aura jamais d'absorption de la vitamine B12. Donc, des mucoprotéines qui ont un rôle protecteur donc de la muqueuse gastrique contre l'acidité, et les pepsines qui sont les formes actives de pepsinogène. Bien sûr, qui sont des enzymes protéolytiques, c'est-à-dire qui interviennent dans la digestion des protéines. Voilà. Maintenant, comment se forme l'acide chlorhydrique au niveau de la cellule pariétale? Parce que c'est au niveau de la cellule pariétale que s'effectue la formation de l'HCl. Bon, quand je dis HCl, ça veut dire qu'au niveau donc, de la lumière, il faut qu'il y ait des protons, il faut qu'il y ait du chlore. D'accord? Ça, c'est le compartiment vasculaire. Et ça, c'est la cellule pariétale. Donc, les protons ferrigés, bien sûr, viennent à partir, bien sûr, de l'hydrolyse, bien sûr, d'une molécule de CO2, mais de l'acide carbonique. Et puis, il y aura des bicarbonates qui vont être récupérés par le sang et des protons qui vont être, bien sûr, rejetés dans la lumière gastrique. Bien sûr, la lumière de la glande, bien sûr, la lumière gastrique. Parce que là, c'est une sécrétion exocrine. Donc, les protons, ils vont être rejetés par le biais d'une pompe atypasique, qui est la pompe H+K+. Bien sûr, c'est une pompe très importante et qui a été, bien sûr, qui a été utilisée et exploitée dans l'utilisation d'un médicament qui est l'oméprazole. L'oméprazole, c'est un médicament qui bloque cette pompe. Et en bloquant cette pompe, on va réduire l'acidité gastrique. Bien sûr, l'oméprazole, c'est un médicament qui est donc indiqué en cas d'ulcère, en cas de gastrite, justement pour réduire l'acidité gastrique. Donc, le deuxième, bien sûr, qui est le chlore, le deuxième composant de l'HCl qui est le chlore,
Le chlore, bien sûr, il va être bien sûr récupéré du sang et par un canal chlore, il va être présent au niveau de la lumière, bien sûr, gastrique. Donc, je récapitule. Pour chaque proton sécrété, un ion bicarbonate quitte la cellule et rejoint le sang par un échangeur d'ions. Donc, un bicarbonate échangé contre un ion chlore qui va passer dans la lumière gastrique par un canal chlore au niveau de la membrane apicale de la cellule. Donc, chaque ion H+ sécrété est accompagné de l'arrivée d'un bicarbonate. Alors, on va passer maintenant à l'absorption intestinale. L'absorption intestinale, elle se fait au niveau du grêle. Hein? Elle s'effectue au niveau du grêle. Voilà. Le sucre intestinal, comme n'importe quel sucre digestif, la salive ou bien le sucre gastrique, est formé donc d'eau. Il est formé de 1,5 litre de liquide aqueux et sécrété quotidiennement, bien sûr. Et bien sûr, qui augmente au cours de la digestion. Chaque sucre, hein, chauffe n'importe quel sucre digestif, il augmente au cours de la digestion. Il est dépourvu d'enzymes, yani il n'y a pas d'enzymes au niveau du sucre intestinal, mais même nage qu'il y a une activité enzymatique. Pourquoi? Tout simplement parce que les enzymes, elles ne sont pas sécrétées au niveau de la lumière, mais c'est des enzymes incrustées, yani situées dans la paroi apicale des cellules, au niveau de la bordure en bosse, donc des cellules intestinales. Ces enzymes sont les entérokinases, les disaccharidases et les aminopeptidases. Les entérokinases, c'est des enzymes qui vont activer le trépanocyte pancréatique qui va agir, bien sûr, par le biais du trépanocyte. Les disaccharidases, c'est des cellules, c'est des enzymes qui vont dégrader ou bien qui vont terminer la dégradation des sucres représentés par les maltases, les saccharases et les lactases. Parce que tout simplement, la maltase, elle va digérer le maltose qui est un disaccharide. La saccharase qui va dégrader le saccharose et la lactase qui va dégrader le lactose. Bien sûr, pour donner des sucres simples qui est donc le fructose, le glucose et le galactose. L'aminopeptidase qui va terminer la digestion des peptides en acide aminé. Voilà. Ça, si vous voulez, donc au niveau du sucre intestinal, il y a des enzymes qui vont terminer la digestion en particules les plus simples possibles. On va commencer par quelques exemples. On va faire quelques exemples donc d'absorption intestinale. Par exemple, le sodium. Le sodium, par exemple, là, il se fait, l'absorption du sodium, elle se fait avec un cotransport avec certaines substances organiques, comme le glucose ou bien le proton. Donc, le glucose, le cotransport avec le glucose se fait selon un gradient électrochimique établi par la pompe Na+, K+, antiphasique, par le transport, ce qu'on appelle le transport actif secondaire du glucose, dans le même sens. Voilà, le sodium, c'est dans le même sens. Voilà, vous voyez? Maintenant, il peut y avoir donc un symport, un antiport, c'est-à-dire dans un sens opposé avec les ions H+. Voilà. Le deuxième exemple, c'est l'absorption des glucides, des sucres. Ça, c'est la cellule entérocyte, c'est l'entérocyte, la cellule intestinale de l'intestin grêle, branch border, c'est-à-dire il y a une bordure en branche. Donc, le glucose et le galactose vont être absorbés selon un cotransport actif secondaire avec le sodium et bien sûr avec un transporteur, ce qu'on appelle SGLT1, le SGLT1. Donc, ça, c'est un cotransport actif secondaire. Voilà, c'est un cotransport actif secondaire qui dépend du sodium. De l'autre côté, il y a le fructose. Le fructose, ou bien, il peut s'agir du glucose, mais surtout le fructose, il va passer, il va être absorbé par une diffusion facilitée. Facilitated diffusion, par un transporteur qui est le GLUT5. Ça, c'est au niveau de la membrane apicale, luminale. Maintenant, dans la cellule, pour traverser, donc, si vous voulez, le bord basal de l'entérocyte, il va y avoir un seul moyen de transport qui est la diffusion facilitée par un GLUT2. Par un GLUT2 pour le fructose, le glucose et le galactose. D'accord? Voilà, c'est la même chose. Donc, voilà, c'est le même principe. Maintenant, pour l'absorption des lipides. L'absorption des lipides, elle passe par plusieurs étapes. Il va y avoir des gouttelettes lipidiques qui vont être donc fragmentées en micelles par le biais de cellules biliaires. Les cellules biliaires, bien sûr, c'est des composants de saponification, si vous voulez.
contenue dans la bile, la bile hépatique. D'accord? Parce que la bile hépatique, elle est déversée dans le duodénum par l'intermédiaire, bien sûr, de la vésicule biliaire. Voilà. Il va y avoir une saponification, une fragmentation de cette biliaire en micelle lipidique qui va être attaqué par la lipase pancréatique, parce que même le sucre pancréatique, il est déversé à travers le canal, bien sûr, pancréatique du pancréas vers le duodénum au moment où il y a une vidange gastrique. Voilà. Donc, attaqué par la lipase pancréatique, où il va être, si on parle par exemple, il va être fragmenté, il va être dégradé pour qu'il soit, bien sûr, bien couvert par encore les selles biliaires. Il va être en contact avec, voilà là, l'entérocyte, ou bien la bordure en brosse, où il va être absorbé. Donc, si on parle de triglycérides, par exemple, qui est donc une famille des lipides, il va y avoir la première étape, ce qu'on appelle l'émulsification, et action détergente et des grosses gouttelettes de graisse en petites gouttelettes par les selles biliaires. La deuxième étape, les triglycérides se dégradent en monoglycérides. Et en acide gras libre, bien sûr, par la lipase pancréatique. La troisième étape, c'est la formation de micelles, voilà, les micelles, hydrosolubles par les selles biliaires encore. Il va y avoir donc l'intervention des selles biliaires là et là. La quatrième étape, les monoglycérides et les acides gras passent par diffusion passive, hein, à travers la bordure en brosse. La cinquième étape, au niveau de l'entérocyte, bien sûr, ce n'est pas mentionné au niveau de l'entérocyte, à l'intérieur, il y a une resynthèse des triglycérides dans la cellule. Il va y avoir là une resynthèse. La septième étape, c'est les chylomicrons. La sixième étape, une agrégation des triglycérides, parce que les triglycérides, c'est des lipides ils ne peuvent pas franchir l'entérocyte, donc ils doivent être recouverts par des lipoprotéines porteuses, pour qu'ils puissent passer, et ce qu'on appelle les chylomicrons. Donc, ces chylomicrons vont quitter la cellule par exocytose et franchir la membrane basale des capillaires lymphatiques. Parce que seuls les lipides qui vont être drainés, non pas par des capillaires sanguins, mais par des capillaires lymphatiques, bien sûr, ils vont rejoindre après la circulation sanguine. Voilà, c'est tout pour la physiologie digestive. On a pu faire donc quelques exemples d'absorption intestinale. Donc, exemple d'électrolytes, le sodium, les sucres. En général, j'ai fait donc tous les sucres simples, donc fructose, galactose et glucose. Et bien sûr, un exemple de lipides qui sont les triglycérides, bien sûr. Et je peux vous dire aussi que l'absorption des vitamines, en général, les vitamines liposolubles, bien sûr, les vitamines liposolubles qui sont les vitamines A, D, E et K, sont absorbées de la même manière que les lipides. C'est-à-dire ils passent par les différentes étapes de l'absorption comme les triglycérides. D'accord? Donc, merci pour votre attention cette matinée. Si vous avez, bien sûr, des questions, s'il vous plaît. Vous les posez, vous m'envoyez des messages parce il me reste encore quelques minutes. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'il n'y a pas d'enregistrement de la réunion parce que on a fait la même chose pour les autres départements. Et il n'y a pas eu d'enregistrement. Wallahi, aucune idée pour l'enregistrement, aucune idée, Kautar. Si vous voulez savoir s'il y a un enregistrement, donc vous voyez avec le département, hein. C'est eux qui s'occupent des apparemment de tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est préparation. Nous,
On ne fait que la conférence, hein. Alors, si vous n'avez pas de questions, je quitte la réunion. Alors, je vous remercie encore une fois. Azora. ها وصيتي؟ لقيتي اسمك يا اخي.